Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas. On va faire une petite dégustation d'un kebab fait maison. Voilà, c'est du kebab que j'ai acheté à Carrefour avec du riz blanc, avec un peu de jus de... Voilà, et salade tomate oignon avec une sauce que je vais tester, que j'ai jamais goûté. C'est la sauce kebab Carrefour Sensation. Et je vais déguster et je vais vous dire mon avis tout simplement. La viande de kebab, c'est celle-là, Isla Delice. Voilà. Ça a augmenté un peu. Les 900 grammes, ils étaient à 9 euros, c'est du poulet. Et là, ça a augmenté un petit peu à 13 euros. Avec un petit bout de pain. Le tomate oignon. La sauce c'est pas mal, mais je la trouve un peu moins, un peu trop sucrée dans mon goût. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à rajouter du sucre tout le temps dans les sauces pour rien. Très bon tout ça, surtout que la viande elle est à 8% de matière grasse, donc c'est limite healthy. C'est que la sauce qui est pas très fitness, qui est pas très diète quoi. La sauce doit être hyper calorique, mais on peut s'en passer comme j'ai dit pour tester le kebab. Voilà, ça se voit qu'il y a des épices. Oui, la viande est bonne. Voilà, pour moi c'est pas un vrai kebab, mais bon, c'est du poulet épicé. Il y a un petit filet d'huile d'olive et un peu de sel pour la salade. Voilà, on peut faire un repas diététique avec le kebab. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc la sauce maintenant. Elle peut largement aller sur la salade. Non, elle n'est pas mauvaise. Est-ce que j'en reprendrai pour faire mes petites assiettes de kebab? Sûrement. Donc, nutrition pour la sauce. Matière grasse, il y en a 30 grammes pour 100 grammes. La glucide, 12 grammes. Donc c'est assez gras. C'est un peu trop gras. J'essaierai de faire ma propre sauce blanche diététique, on va dire. Voilà, parce que j'ai pris assez de ventre, c'est bon là. Ouais. Bon, allez, je me fais plaisir ce soir. La prochaine fois, ça sera sauce blanche faite maison. Comme ça, je pourrais gérer l'huile, tout ça, dedans. Pour la viande, j'avais mis à peu près 250 grammes à peu près. La sauce, elle va très bien avec la salade en fait. Elle va très bien avec la salade. Elle est bonne, mais un peu trop sucrée à mon goût. C'est bon le sucré, mais bon. C'est le sucre qui rend accro. Ouais, c'est le sucre qui rend accro. Donc très bon tout ça, j'en ferai souvent en fait. J'ai repris un sachet de kebab. J'en referai je pense souvent.
Donc là, je vais couper la vidéo, comme ça, je vais terminer tranquille, je vais manger tranquille. C'est dur avec la caméra entre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06, la chaîne de dégustation. Tchuss.